pour le groupe CRCE de parole sur article. Merci, Monsieur le Président. Cet article premier prévoit un transfert de dette d'un montant global de 136 milliards d'euros à la CADES. Je pense, mes chers collègues, qu'il est temps que le gouvernement explique aux Français ce qu'est véritablement la dette sociale. Cela évitera des transferts abusifs qui devraient en réalité être pris en charge par l'État. Car ces 136 milliards d'euros ne représentent pas une dette sociale, mais une dette en partie liée à la crise sanitaire du Covid, crise qui a été gérée au travers d'ordonnances par le gouvernement. Cette dette, c'est aussi des déficits futurs en y insérant l'investissement des établissements de santé qui aurait dû apparaître dans un PLFSS rectificatif. N'oublions pas également que les déficits des branches avant le Covid-19, ce sont les conséquences des choix politiques, notamment d'exonération de charges sociales non compensées par l'État ou primes éventuellement des gilets jaunes. Rétablir clairement la distinction entre la dette sociale et la dette de l'État empêchera ce mécanisme de culpabilisation avec un trou de la sécu qu'il faudrait absolument combler, et ce, au prix des droits des assurés sociaux et d'un affaiblissement de la sécurité sociale. En transférant ce montant à la CADES, ce sont près de 18 milliards d'euros de recettes par an dont nous nous privons et qui auraient pu être utilisés dès 2024 pour financer les hôpitaux et la dépendance. Il est trop facile d'inclure dans la dette sociale des charges qui devraient être assumées par l'État et de s'en servir ensuite comme justificatif afin de réduire les dépenses de la sécurité sociale sous prétexte que les recettes sont insuffisantes.